Coucou les filles, écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo encore une fois très particulière car elle est en collaboration. Donc j'ai découvert une youtubeuse qui s'appelle Sonia, que j'adore. Quand je suis tombée sur sa chaîne, franchement j'ai tout fait pour la saouler, pour qu'elle accepte de travailler avec moi. Je la trouve drôle, belle, en plus elle est intelligente, et en plus elle aime L'Oréal comme moi quoi. Donc j'ai essayé de la contacter par tous les moyens imaginables pour essayer de faire la collaboration qui tue avec elle. Donc en fait voilà, bon, ça s'agira pas d'un swap, pas pour l'instant tout du moins, mais on fait les tops et les flops, donc on les publie au même moment sur nos deux chaînes. Donc du coup la vidéo de lundi vous l'aurez le dimanche, mais c'est pas grave. Ce sera dimanche, mercredi et vendredi pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse sa chaîne en barre d'infos. Vous me direz, n'hésitez pas à me commenter si j'ai bien... Enfin, si j'ai bien choisi ma copine, j'ai envie de te dire. Non, non, franchement, c'est une fille géniale. Elle est complètement, mais alors complètement allumée, cette fille. J'ai trouvé ses vidéos drôles, vachement bien réalisées, intéressantes. Ses tutos sont super... super agréable à regarder. Donc allez faire un petit tour, revenez me dire si vous avez apprécié ou pas sa chaîne. Dans tous les cas, je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo top et flop. Je sais pas si on en aura certains en commun, parce que franchement on s'est pas concerté avant, on sait juste à quel moment on va la publier. On s'est dit juste voilà, il y a 5 tops et 6 flops. Voilà, donc on va commencer tout de suite par mes tops. Donc mes tops, je vous avoue, la visible éclair de Neutrogena est plutôt pas mal. Même si elle, de son côté, m'en a vraiment conseillé un pour la micro-exfoliation du visage. Parce que comme j'ai été chez Petit Success et puis que la fille m'a dit « Mais madame, vous exfoliez pas assez votre peau, hein, je vous l'avais déjà dit, déjà raconté ça. » Ouais, mais j'ai pas le temps ma grande, tu vois, j'ai un enfant, bon voilà, je travaille en même temps, donc voilà, c'est chaud quoi. » Mais j'ai acheté ça au rendez-vous de la beauté Leclerc, parce qu'il était moins cher. Et du coup, je l'adore. C'est vraiment un nettoyant que j'affectionne, parce qu'il laisse vraiment la peau douce. Et tu sens une fraîcheur sur ta peau, en fait. Et c'est ce rendu que j'apprécie, parce que vraiment, ton visage est du coup frais. Tu le sens, quoi. Ça te donne cette sensation de fraîcheur. Et sur ma peau, j'ai vraiment ressenti les effets par la douceur. Bon après, excusez-moi pour Hugo qui a derrière, hein, parce que comme vous le saurez, hein, je l'ai à côté, il est avec son papa, mais je peux pas l'empêcher de vivre hein, non plus, parce que mon fils passera de toute façon en priorité, hein. Bon, non mais sans déconner, j'adore, je le recommande. Après, c'est Lulia, c'est le nettoyant exfoliant quotidien. Et c'est vrai que c'est quand même la gamme qui est censée être destinée aux peaux grasses, mixte à grasse. Donc j'en fais partie et je pense que ça ne conviendrait pas aux peaux très sèches. Parce que même si elle adoucit, ça pourrait être un petit peu trop mentholé, vous voyez. Donc voilà, ça peut, le menthol étant irritant, voilà quoi, ça peut, pour les peaux sèches sensibles, ça peut être problématique. Ensuite, en termes de top, je passe au Beauty Blender de chez Peggy Sage, ou Peggy Sage, comme vous voulez. Donc c'est la gamme en fait de Cosméto qui est dédiée aux professionnels de l'esthétique. Et c'est un Beauty Blender que j'ai trouvé chez CAD Esthétique, mais vous pouvez le trouver dans tous les revendeurs en fait. Même s'ils font du pro, ils font des prix en fait pour les particuliers. Donc, et je l'ai touché à 3 euros et quelques, même pas plus de 4 euros. Donc par rapport à ceux de Kiko, The Real Techniques qui sont à 16, 13, 6,90, celui-là qui est à moins de 4 euros fait très bien son job. Voilà, j'adore. Ensuite, eh bien comme vous savez que je vous avais mis une photo sur Instagram de tous mes mascaras L'Oréal que je devais tester. Eh bien celui-ci, franchement j'en ai testé un, donc je voulais en faire un par jour. Vous voyez, pour vous faire une revue sur 30 jours des 30 mascaras L'Oréal. Et en fait, deuxième jour je suis tombée sur le fossile papillon et j'ai pas continué en fait à changer en fait. J'ai gardé celui-là depuis.
et je suis conquise. Alors, je le mets en complément quand même de mon méga volume collagène, toujours de chez L'Oréal, parce que celui-ci, on ne peut pas recourber le cil pendant la journée. Il faut vraiment... on peut pas, il assèche en fait. Alors que le méga volume collagène, lui, on peut toujours galber le cil pour le maintenir en fait. Voilà, ça va pas, il n'est pas sec et il se recourbe vu que ça aura laissé quand même l'élasticité, je pense, du collagène dans la formulation fait que le cil reste quand même assez flexible. Donc voilà, je l'aime beaucoup, sa brosse étire bien l'extérieur en fait des cils supérieurs. Elle définit bien les cils, elle fait pas de paquets. J'ai tendance à dire même que ça les raidit parce que j'ai des cils quand même qui pas recourbés, hein, je pense pas qu'on puisse dire que ça recourbe, mis à part si vous mettez le méga volume collagène en dessous, parce que du coup quand je recourbe on voit que la courbure reste, mais celui-ci il raidit les cils, il les remonte. Bon, je suis vraiment pas déçue de ce produit. Si vous cherchez un bon mascara pas cher, celui-ci là est pas mal du tout. Mais détrône pas quand même le volume collagène, hein. Je l'adore, hein, le volume collagène. Ensuite, quatrième top, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, c'est celui que je porte. Je l'ai porté beaucoup durant ces dernières vidéos. Je vous ai peut-être saoulé avec ce rouge à lèvres, mais je l'adore, il est vraiment trop beau. Il est trop beau. C'est le numéro 03, le Unlimited Stylo Matte de chez Kiko. Ça s'appelle Hibiscus Red parce que du coup on m'a demandé la référence, donc je suis retournée sur le site internet pour voir. Voilà, il est top, il est framboise, il est mat, il tient bien. Pour le prix, et je m'en rappelle plus là pour le coup, mais bon, je vais attendre certainement d'avoir, je crois qu'il est à 6,90, mais je suis pas certaine, mais je crois bien que c'est ça. Donc j'en ai mangé déjà une certaine quantité parce que je le prélève en fait au pinceau et éponge et je viens le poser sur mes lèvres. Donc il commence déjà à se réduire alors qu'il est, j'ai mis que ça quasi. Mais bon ça va hein, et j'en mets une bonne couche moi parce que j'aime bien quand c'est bien opaque. Il descend pas trop hein, je veux dire il a quand même... une belle couvrance parce que du coup sinon j'aurais, je pense, manger beaucoup plus que les 2 mm qui manquent dans le tube. Donc voilà, donc c'est l'Hibiscus Red, je disais. Je pense que je vais craquer sur toute la collection une fois qu'il y aura des promos sur les lèvres. Vous savez, les promos toutes les semaines, mais ça dépend sur quel produit. En ce moment c'est les vernis, par exemple les fortifieurs, blablabla quoi. Donc une fois que ça, ce sera en promo, je pense que je vais faire un carton plein dessus parce que c'est celui qui m'a vraiment donné le goût au rouge à lèvres mat. Il n'est pas très asséchant, on va dire. J'en ai déjà parlé plus d'une fois, hein, mais j'adore. C'est un produit que j'adore. Excusez-moi pour... Il a dû se faire mal, mon titi d'amour. Mon petit cœur, j'aime pas l'entendre pleurer comme ça, mon loulou, mon petit cœur. Donc là, en fait, je vous ferai un room tour, mais en fait, le Loggia se trouve, en fait, juste à côté du salon. Il y a une véranda qui nous... En fait, pas une véranda, mais une baie vitrée, en fait, qui nous sépare, et donc je vois tout ce qui se passe. Et son papa a été le chercher pour lui faire un petit câlin, donc je suis rassurée. Parce que j'aime pas du tout quand ça se passe, ça. Et que je suis pas à côté à pouvoir accourir. Et là, en fait, je le vois et il me fait rire parce que je vais vous montrer. Donc voilà, en fait, il est avec son papa. Coucou. Et en fait, j'ai un vis-à-vis sur le salon. Et donc là, il est tout nu. Oui, coucou. Et donc voilà, donc en fait à chaque vidéo il nous suit un petit peu parce qu'il est toujours pas loin du tout et donc voilà il fait son petit bazar. Donc pour terminer et pour finir avec cette petite aparté, le cinquième top que je voulais vous présenter c'est celui-ci. C'est mon collier, je l'ai eu sur AliExpress, je vous mettrai le lien du vendeur juste en bas dans la
dans la barre d'information. C'est un collier en argent en fait avec un inscrit Ludivine dessus. Et je l'ai porté, donc vous l'aurez vu dans certaines de toutes les dernières vidéos, parce que je fais un test vraiment sur le long terme avec ce collier qui jusqu'à présent ne m'a pas déçu. Je suis allée au hammam avec, il n'a pas verdi. Ça a l'air vraiment d'être de la qualité. Donc en fait, vous achetez en fait le produit. Et en commentaire, en dessous de l'achat, vous devez en fait en commentaire laisser le nom que vous voulez être ciselé. Et donc vous recevez ça. Alors j'ai pas reçu ça très très tard, on va dire. Je crois qu'en 2 semaines et demie c'était bon. Ou 3 semaines. Donc c'est à peu près les délais qui sont. C'est à peu près les délais d'AliExpress, on va dire. Donc voilà, c'est un achat que je ne regrette vraiment pas. Je le trouve très très joli. Je vais m'approcher pour que vous voyez un petit peu plus près en fait. Donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment bien foutu. Hein. Bon après je sais qu'il est fin. Donc si vous le tordez, ça va se tordre un petit peu. Mais vous pouvez le retordre dans le bon sens, ça ira très bien. Mais moi, c'est vraiment un top et je l'ai eu pour moins de 10 euros. Alors, à savoir quand même qu'en bijouterie, ça coûte une blinde. Voilà, donc comme je vous disais, en bijouterie, ça coûte très cher. Du coup, là, pour, je crois que je l'ai eu à 8 euros, un truc comme ça. 8, ouais, moins de 10 euros, je me rappelle plus très bien. Mais il a supporté les chocs, il supporte Hugo, il a supporté... Je vous dis, je lui ai fait supporter le hammam lors de notre journée spa avec maman pour mes. C'était le cadeau de mes 30 ans. Donc on a fait une journée hammam et massage. Et du coup, il a très bien tenu. Donc même en pleine humidité, il n'y a pas de souci, il tient très bien. On va maintenant passer au flop. Parce que j'en ai quelques-uns qui magistralement me seront apparus comme des daubes intersidérales. Voilà, hein, pour être poli. Donc on va commencer par le pire. Le pire, c'est la version dupe du Curl Secret de Babyliss. Je vous ai fait une revue, vous verrez pourquoi je ne peux pas l'encadrer ce truc. Alors ouais, je l'ai moins cher, ouais c'est du AliExpress, donc faut pas que je m'attende à ce que le Secret Curl de Babyliss soit le même. Mais c'est pas possible. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a la vidéo en fait du test qui va pas tarder à débouler. Donc, comme ça, vous vous donnerez une idée, en fait, de pourquoi je ne l'aime pas. Voilà. Ensuite, on passe à deux produits coréens. Alors, celui-ci, c'est le masque au blanc 2 de chez Skin Food. Donc, alors celui-là, il se présente comme ça. C'est un masque à l'argile, enfin à l'argile, mais blanc, quoi. Et en fait, ouais, c'est tout. Voilà, ça résume. Bien sûr, ça résume à peu près bien. C'est, voilà, c'est bof. Je ne vois pas d'effet après l'application. Donc moi, je pose, je laisse sécher, je retire. Hein, mais c'est censé resserrer les pores, faire un bien fou à la peau. Et moi, je trouve pas. Donc, et en plus, j'en ai deux pots, quoi. Donc après celui-là, c'est rebelote. Hein. Je ne sais pas si je vais en venir à bout, voilà. Et le deuxième produit coréen, alors celui-là, je n'en ai entendu que du bien. Ça sert à, entre guillemets, éclairer le visage en atténuant les taches brunes et les taches, en fait, cicatrices, etc. C'est des laboratoires Tamagoada. Et c'est le nettoyant moussant aux AHA et aux BHA. Eh ben moi, j'ai pas vu de différence. Hein. Pourtant, je l'utilise. Alors, par contre, on fait... Il y a 160 grammes à l'intérieur. Il y a pour une vie, hein, parce que moi, ça fait déjà... depuis que j'ai accouché que je l'utilise. Donc, et là, j'en viens seulement à peu près à bout. Et je l'utilise tous les jours. Donc, ouais, j'ai fait ça. Ben, Hugo, il va avoir 10 mois. Donc, 10 mois pour... franchement... par contre pour un nettoyant voilà il est hyper économique parce qu'en fait c'est un peu une pâte, je vais vous montrer si j'arrive à en prélever un petit peu.
Voilà, c'est un peu une pâte. Et là, en fait, la noisette, elle suffit vraiment à... Avec un peu d'eau, ça va mousser. Et ça suffit vraiment, regardez. Ça suffit vraiment, il n'en faut pas beaucoup pour faire tout un visage, quoi. Voilà, ça mousse. Avec un peu d'eau, ça va mousser. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il dure aussi longtemps. Alors par contre, niveau... ratio prix contenant, voilà quoi, c'est sûr que je l'ai pas eu très très cher parce que je crois que je l'ai eu sur Rose Rose Shop. Alors ça va, j'ai pas eu de frais de douane ni rien du tout. Je suis pas déçue. Non, je l'ai pas eu sur Rose Rose Shop. Je l'ai eu sur Corée à départ. Mais bon, dans tous les cas, voilà, moi je l'ai pas vu en tant que tel miraculeux. Mais après, c'est un très bon nettoyant quoi, nettoyant normal. Et franchement, il dure longtemps, il n'est pas cher. Enfin, après, si vous voulez vous diriger vers vraiment des choses pas vraiment contrôlées au niveau CE, au niveau des contenants, parce qu'en plus, c'est en coréen, donc tu comprends rien. Mais bon, du coup, voilà, c'est vrai que je peux pas tout lui retirer. Il a vraiment le ratio prix qui est intéressant, quoi. Mais c'est tout, je veux dire, c'est tout. Ensuite... Je passe à des laboratoires Vendôme, un gel, en fait crème, qui sert à se raser les jambes. Alors, usage quotidien, c'est vrai, hypoallergénique, blablabla, blablabla. Alors bon, il est censé en fait remplacer la mousse de rasage des hommes et pouvoir aider à raser au plus près sans se couper. Hein. Cependant, la texture est merdique. Une fois que tu l'as laissé un petit peu, je veux dire, reposer, voilà, alors, je sais pas si vous verrez, mais c'est une texture grumeau, mais c'est dégueulasse. Voilà, ça, c'est un mélange, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est, donc après, bon, quand tu frictionnes, il y a quand même une mousse qui apparaît, enfin, je veux dire, voilà, avec un peu d'eau, ça... T'as la mousse qui... A... Bah, moi, je me tartine aujourd'hui, hein, voilà, quoi. Donc, il y a quand même la mousse qui apparaît, voilà. Enfin, après, avec l'eau, ça fait quand même une mousse un peu plus abondante. Bah, l'odeur, elle est mitigée, hein. On sent le chimique, mais par-dessus, t'as l'espèce d'odeur, une bonne odeur pour dire que ça sent bon. Donc, voilà, j'ai pas aimé parce que la texture, franchement, t'as l'impression que c'est un vieux cosmétique, quoi. Un vieux truc... Donc non, t'as vu, ça fait dégueulasse, ça fait des points blancs, non franchement j'ai pas aimé. Après niveau efficacité, je veux dire, tu mets une mousse d'homme, c'est pareil. Hein. Ensuite, une déception aussi, c'est le push-up de teint, et fluide effet bonne mine d'Etam. Alors celui-là, je vois pas l'intérêt, il m'a rosacé le visage. Je vous ferai une revue pour... Enfin, je vous ai fait un make-up uniquement avec Etam, justement pour vous montrer que c'est pas possible. Donc, je vous laisserai sur ces bonnes paroles regarder le prochain test, crash test qui aura lieu, je pense, d'ici 2 semaines. Donc, voilà. Et enfin, une fois que j'aurai monté, parce qu'elle est déjà filmée, mais il faut que je la monte et que je vous l'édite. Voilà, et voilà quoi. Et c'est vraiment un truc que j'ai pas aimé parce que il est trop rosé. Enfin, je vais vous montrer vite fait. Voilà, j'en perds mes bouchons tellement, voilà. Alors, il est rosé. Il est rosé comme ça, et puis voilà quoi. Je vois pas d'où ça fait effet bonne mine quoi. Ça fait plus effet. Je sais pas si. Ça fait pas bonne mine quoi, ça fait placard. Non, c'est pas possible. Bon là vous verrez peut-être pas bien, mais ça va pas quoi. Ça va pas, non ça va pas. Enfin encore sur ma main ça pourrait passer, mais alors sur mon visage c'est pas possible. Et en dernier, donc dernier flop, intergalactique celui-là, c'est les Eye Sorbet de chez Essence. Alors ceux-là, franchement. La couleur est géniale, hein. Quand je l'ai swatché, c'était génial. Je vous ai vendu ça comme le produit miraculeux, super irisé, super joli. Mais alors, quand on l'applique, alors déjà j'ai essayé sans base, c'est pas possible parce que dès que t'appliques, l'intensité est pas la même que dans le contenu. Enfin, l'intensité est pas la même que dans le contenant, et quand tu repasses une deuxième couche, ça enlève la première couche.
Quand tu tapotes, en fait, dès que ça sèche, ça reste sur ton doigt et pas sur ta paupière. Ça s'étale mal. En base, oui, mais c'est con parce qu'il était vraiment joli. Quant à l'intensité, il est vraiment beau, mais sinon, voilà quoi, ça va pas. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est terminé pour nous. Je vous laisse bien sûr avec la vidéo de Sonia hein, qui est par là en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis j'espère qu'en fait cette nouvelle collaboration vous plaira, que cette fille vous émoustillera autant qu'elle m'a émoustillé moi, parce que franchement c'est génial. Allez voir sa vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos sur ses rouges à lèvres préférés du moment. Elle est dingue cette fille, mais j'adore. Donc voilà, ma petite Sonia, si tu me regardes, je t'embrasse, je t'aime ma copine. Et puis pour le reste, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !